Bonjour Didier. Bonjour Jacques. 2023, motivé? Jamais autant motivé que 2023, mais c'est la continuité de 2022, bien sûr. Donc on va parler à motivation pour le golfeur. Et la motivation, comme tous les gens qui sont motivés, c'est très simple. En fait, il suffit d'abord avoir un projet, croire en rêve, s'y installer et surtout, et installer des tâches de travail qui vont faire que derrière, vous allez bâtir tous les jours votre performance pour obtenir votre résultat ou votre projet et qui va en fait va conduire tout ça. Cet ensemble-là s'appelle la motivation. Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous impliquez et vous, quand vous vous levez le matin, comment on le sait qu'on est motivé? Le matin, on est content d'y aller. Très bien. Donc au niveau du golf, le point de motivation le plus important, c'est quoi? C'est s'entraîner, faire des compétitions, jouer. C'est d'abord savoir ce qu'on recherche. Donc, chercher par des modèles, d'indicateurs, de savoir un petit peu ce que vous recherchez, comme est-ce que c'est le putting où je perds des points, est-ce que c'est sur le driving, est-ce que... et puis qui va me permettre d'y travailler dessus. Et puis, je vais remettre tout ça dans le contexte golf global, hein, sur un parcours sur 18 trous. Et bien là, vous allez voir que ce que vous avez travaillé est en place et votre carte va changer. Donc, vous avez vraiment progressé et vous êtes motivé parce que vous avez mis en place des choses au service de votre projet. Donc, vous l'avez reconnu et vous savez ce que vous cherchez. Est-ce qu'il y a des cartes de motivation sur lesquelles on peut doser son niveau de motivation? Alors, le niveau de motivation, il est d'abord ancré avec, c'est comme je vous expliquais, à votre ce que vous recherchez quoi. C'est en fait c'est la partie que vous recherchez, que vous avez touchée, que vous avez travaillée et que vous avez et donc vous avez obtenu le résultat. Et là, vous savez. Et puis vous avez plein de petites cartes comme ça qui font que derrière, ben votre golf va aller de mieux en mieux parce que vous savez exactement ce qu'on recherche. Vous avez mis une intention et un sens à ce que vous faites. Didier, Oui, merci. avec plaisir. Didier, donc, la dynamite de la pensée. C'est ça, à fond. À fond la dynamite. À fond.